Voilà, et là on prend la direction de Forchy-la-Marche. Forchy-la-Marche et aussi un petit peu toi, hein, puisque on a au bout du fil Jacques Clip. Bonjour Monsieur Clip. Bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur Clip. Alors Monsieur Clip, il est le dirigeant d'un orchestre qui s'appelle le Brass Band de Tudigny. C'est assez étonnant, Monsieur Clip nous a appelé tout à l'heure en me disant « Ah, oh, Monsieur Piron, souvenez-vous, il y a 25 ans de cela, vous aviez fait la promotion du Brass Band de Tudigny. » Oui, c'était une autre époque, hein, Monsieur Clip, c'était l'époque de Canal 5, je me souviens. Et c'était aussi la braderie de Charleroi, plus particulièrement le long de la rue de la Montagne. Alors Monsieur Clip, vous avez le Brass Band de Tudigny. Rappelez-nous d'abord ce que c'est que le Brass Band de Tudigny. Mais le Brass Band de Tudigny, c'est un orchestre de type britannique, une formation de type britannique, un modèle spécial, c'est-à-dire que c'est un ensemble exclusivement composé de cuivre et de percussions. Mmh. Alors bien sûr, dans la première moitié du 19e siècle, c'était uniquement en Angleterre, mais très vite la formule s'est étendue dans les pays scandinaves, nordiques. C'est-à-dire que maintenant, il y en a partout en Australie, en France, en Norvège, aux Pays-Bas, en Suède, en Suisse, États-Unis, Canada, Japon, partout. C'est une formule spéciale, dans le sens que nous sommes seulement une trentaine de musiciens au grand maximum, et disons qu'il faut quand même mériter sa place pour rentrer dans l'orchestre, car chaque instrument, chaque musicien est important au pupitre. Eh bien, ça va. Vous avez un concert bientôt, je crois. Mais nous avons un concert de gala, le 31e, puisque nous avons fêté nos 30 ans le 5 novembre de l'année passée, 2016. Et donc on a un concert de gala à l'auditorium, comme d'habitude, à l'auditorium André Vézal à l'hôpital, à Montigny-le-Tilleul. Alors qu'est-ce qu'il y aura au répertoire, comme répertoire? Ah ben voilà, c'est une bonne question. Nous voulons cette année rendre hommage à la liberté, c'est-à-dire... ce concert sera l'occasion de rendre hommage à tous ceux qui ont œuvré, combattu, afin que nous puissions vivre dans un pays en paix. Alors, pour ce faire, il y aura des musiques de guerre, impliquant des soldats, bien sûr très connus, des musiques de films très connues, mais il y aura aussi, bien sûr, des solistes, en contraste avec ces musiques qui sont, hélas, toujours un petit peu tristes. Mais c'est une occasion pour nous de rendre hommage à nos anciens. Voilà, alors dites-moi un petit peu, si on veut éventuellement réserver notre place, est-ce que... C'est justement l'inquiétude de monsieur par rapport à tous les événements qu'il y a ce week-end, justement, bien de faire passer le message pour qu'il y ait du monde autour d'eux. Voilà. Alors comment on fait pour réserver? Oui. C'est bien le 20 mai, ici à 19h, et donc il y a une adresse internet... une adresse mail, brassbanddetudigny, en un seul mot, brassbanddetudigny@gmail.com, où nous avons deux numéros de GSM aussi. Allez, on va les donner. 0470. Oui, allez-y, c'est 0475. 0475 pour les réservations, 0475 69 27 94, et aussi le 0473 54 57 04. Il y a bien sûr, via notre site internet aussi, brassbanddetudigny, bbtudigny en un seul mot .info ou www.brassbanddetudigny.info. Donc vous pouvez nous retrouver. Alors nous avons un Facebook aussi. Eh bien ça va. Écoutez, on va mettre tout ça en évidence sur nos différents supports. Et puis on se donne rendez-vous donc le 20. Monsieur Clip, je vous remercie et peut-être qu'un jour on aura l'occasion de se revoir et de parler de la philosophie du Brass Band de Tudigny. Merci et bonne journée. Merci beaucoup Monsieur Piron.